Salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo importante sur la chaîne YouTube. J'espère que ça va vous plaire, c'est parti. En ce moment, on est la période de Noël et forcément, vous êtes nombreux à vouloir aller à Disneyland Paris. Et on sait très bien que vu que c'est la période de Noël, les hôtels sont chers, les billets sont chers, ça peut être un gros budget et votre priorité, ça va être de trouver des billets intéressants et moins chers. Sauf qu'en général, eh bien, c'est là que vous faites la première erreur. Je vais vous expliquer pourquoi. Malheureusement, il y a un gros réseau à Disneyland Paris, pas forcément dans Disneyland Paris, mais à l'extérieur de Disneyland Paris, de personnes qui récupèrent des anciens tickets pour les revendre sur le Bon Coin, eBay. Voilà, ils essaient de les revendre à n'importe quel moment. Ils vont même aller des fois juste devant la sécurité afin de vous vendre les billets. Et à ce moment-là, vous allez vous faire avoir. Alors, je vais vous expliquer. Vous allez vous taper billets Disneyland Paris sur le Bon Coin. Vous allez tomber sur des billets intéressants à 20-30 euros. Sauf que la chose que vous n'allez pas forcément voir, c'est que ce sont des billets qui sont déjà utilisés. Malheureusement, à Disneyland Paris, il n'y a rien qui nous prouve que des billets sont déjà utilisés. Pas quelque chose qui déchire ou qui fait un petit trou dans le ticket. Parce que tout est informatique et malheureusement, on n'a pas moyen de voir directement lorsqu'on a le billet que c'est un billet déjà usagé. Malheureusement, vous allez vouloir faire des économies. Vous allez sur le Bon Coin et vous allez chercher billets moins chers Disneyland Paris. Vous allez tomber sur 5 billets à 30 euros. Vous allez être content, vous allez faire votre achat. Vous allez rencontrer la personne, elle va vous donner les billets. Et malheureusement, vous allez arriver ce jour-là à Disneyland Paris et vous allez avoir les portes qui vont vous bloquer parce que vous ne pouvez pas y rentrer. Et malheureusement, à ce moment-là, vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Et si je fais aujourd'hui cette vidéo, c'est parce que je croise beaucoup trop de personnes qui se font bloquer devant les portes parce qu'ils ont acheté des billets sur internet et malheureusement pas des vrais billets. Et malheureusement, dans des cas comme ça, Disneyland Paris ne peut rien faire parce que ce n'est pas leur faute, c'est votre faute à vous. Et je vais vous expliquer malheureusement comment ces personnes-là peuvent vous vendre des billets malheureusement usagés. Eh bien, c'est simple. Et vous les premiers, si vous en avez l'occasion, écoutez ce que j'ai à vous dire. Beaucoup de personnes, en fait, lorsque vous allez sortir du parc, vont venir vous aguicher et vont venir vous voir pour essayer de gratter et réutiliser vos tickets. Ils vont vous demander si vous sortez du parc définitivement afin de récupérer vos anciens billets. Vous allez leur demander à quoi ça va leur servir. Vous allez vous demander, bah, ils veulent simplement profiter du parc. Ce sont toujours les mêmes personnes, ce ne sont pas des familles, ce sont des hommes qui vont faire quoi avec 5 billets, en fait ? 5 fois aller à Disney le même jour? Non, bah non, en fait. C'est tout de suite suspect. Et ces personnes-là sont même des fois prêtes à vous les racheter 10 à 15 euros. Vraiment, les amis, si vous voulez me faire plaisir, j'ai déjà vu quelqu'un, et je vous jure que c'est vrai, récupérer un ticket et aller juste après, à la sortie du métro, pour essayer de revendre directement le ticket. Sauf que la personne, elle aura revendu le ticket, elle se sera fait 15, 20, 30 euros, elle aura juste échangé un ticket entre les mains. Et on ne sait même pas si le ticket était valable aujourd'hui, le jour même, hier, avant-hier. Voilà, on ne sait pas. Ne prenez pas de billets sur internet, c'est risqué. Vous pouvez des fois être gagnant, mais malheureusement, vous pouvez être des fois perdant. Et je pense qu'il vaut mieux être gagnant que perdant, donc ne prenez pas le risque. Et pour vraiment éviter ce genre de choses, ne donnez vraiment pas vos billets à la fin de votre séjour. Gardez-les, au moins ça vous fera un souvenir. Et surtout, vous vous direz que grâce à vous, quelqu'un ne se sera pas fait avoir. Sur ce, les amis, je vous fais confiance et j'espère que vous allez écouter mes conseils, surtout en ces périodes de Disney. N'hésitez pas à vous abonner et surtout, n'oubliez pas que tout le monde a le droit de rêver. Alors, pourquoi pas vous ?